Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette mini review sur GLG Vidéo, des reviews beaucoup plus courtes, beaucoup plus concis, et surtout pour présenter des produits, bah, des fois qu'on les partenaires veulent en review, veulent pas que j'achète, qu'on m'offre, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, on va parler des nouveaux JBL. Alors les JBL, c'est JBL UA Pivot Sport. Alors UA, c'est parce que c'est Under Armour. Sous d'amour. Oui, bah c'est une marque forcément en partenariat avec JBL, des écouteurs intra-auriculaires, encore une fois, pour faire du sport avec tour de cou. Pas mes préférés, mais on verra que quand même vachement mieux que les Bose, et puis moins cher. Bon, découvrons un peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien bah, nos écouteurs, pas mal. On a pas mal de coussinets. Alors, vous voyez, on a des coussinets, soit avec le truc incurvé pour mettre dans l'oreille. Ça, c'est mes préférés. Soit pour ceux qui sont plutôt classiques, basiques, Orelsan, tout ça. Voilà, vous avez des coussinets que vous pouvez mettre directement dans l'oreille. On a également une petite pochette, comme ça. Alors, bon, elle casse pas rien, mais elle est un peu en plastique et tout, silicone. Bien, avec une petite fermeture éclair, avec logoté sous amour. J'aime bien la faire celle-là. Ça va devenir un Marie qui rend joie. Voilà. Et il y a un câble micro USB que j'ai déjà perdu, parce que j'en ai plein, et voilà, je les stocke. Je fais une collection. Bon, un des gros points forts de ces JBL par rapport à ce qu'on a vu avec nos boss, c'est bien évidemment le contour d'oreille. Alors ça, ils vont me dire, ouais, moi j'arrive pas parce que j'ai pas, voilà, on n'a pas tous les oreilles qui vont bien avec les écouteurs, hein, encore une fois, et ou l'inverse. Là, il y a un tour d'oreille et tout que tu pourras mettre directement, bah voilà, autour de l'oreille. Ça, c'est pas mal. Plus la possibilité de mettre un petit peu comme les boss, un système que je trouve vraiment génial, c'est la possibilité de mettre ici dans l'intérieur de l'oreille et tout, ce qui fait qu'on a un confort qui est optimal. C'est-à-dire que non seulement on prend le tour de l'oreille, mais ensuite on le met dans l'oreille et on prend un petit peu. Vous voyez un petit peu dans les rainures et tout, un peu ici, je sais pas comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire, ça servira pour la prochaine fois. Et on a un produit qui tient super bien. Voilà, on le met dans l'oreille et tout avec le double. Alors encore une fois, si vous aimez pas ce chose là vous pouvez mettre, vous avez vu, les petits coussinets classiques. Après, je sais pas si on peut enlever le dossier, apparemment non, mais voilà, c'est vraiment quasiment, je veux dire, dans le cadre pour des écouteurs, oui, et pour faire du sport encore, oui, mon gamin a adoré ça, ça m'a rendu fou. Bon, également sur nos écouteurs, une télécommande, bien évidemment, avec un bouton play, pause ou power on off, encore une fois. Bouton volume plus et bouton volume moins. Si tu appuies deux fois sur plus, chanson d'après, deux fois sur moins, chanson d'avant. Ça, c'est vraiment génial. Et voilà, la connectique micro USB. Alors bon, c'est un peu la loose, hein, c'est encore une fois de la micro USB. Je peux récupérer mon câble des boss. Voilà. Bon, c'est un peu la loose, mais enfin bon, après voilà. Et on a un bouton en fait qui permet de commuter. Alors, ce bouton, il a deux fonctions très intéressantes. Un, il a la fonction Bionic Hearing, comme il dit. Ça veut dire que par exemple, t'es là en train de marcher, quelqu'un veut te parler. Tu appuies une fois dessus, ça va automatiquement réduire le volume de la musique et ça va mettre le mode aware. Ça veut dire que si on veut discuter avec quelqu'un, on demande quelque chose, hop, t'appuies dessus, ça baisse le volume et ça met le mode aware. Ça veut dire que ça prend les micros et t'entends ce qui se passe de l'extérieur. C'est parfait pour tenir une conversation. T'entends la musique très très faible, donc ça arrête quand même pas la musique, mais ça permet d'entendre ce qui se passe autour. Ça, c'est vraiment pratique. Ou sinon, enfin, alors il n'y a pas de réduction de bruit sur celui-là puisque le casque, il est tellement, il tient tellement bien dans l'oreille et tout que déjà quand tu le mets tu n'entends plus rien. Voilà, il est quasiment lui en réduction passive, il est beaucoup plus efficace que certains ANC que j'ai vu. Genre tu le mets dedans, ça rentre bien dans l'oreille. Moi j'ai mis le plus gros coussinet que le tour d'oreille et l'intérieur, tu n'entends plus rien. Là c'est pas mal, mais tu pourrais dire oui, mais alors par contre j'aimerais bien entendre ce qui se passe. Et ben tu peux mettre le mode ambiant, tu cliques deux fois sur le bouton du côté et dans ce cas il ouvre le mode ambiant. Ça veut dire que le son ne change pas, mais ça ajoute le son de l'extérieur à la musique pour entendre les klaxons, les gens qui parlent, les gens qui crient, qui fuit. Non, ça c'est un autre délire, voilà. Bon, les zombies et choses comme ça, voilà. Donc là, t'as vraiment poussé d'avoir deux modes. Soit ça baisse la musique et ça met le mode ambiant pour entendre quelqu'un parler ou pour tenir une conversation, soit ça met directement la musique normale et le mode ambiant pour ajouter les musiques ou les sons qui sont un peu alentour. Genre t'es dans la forêt, t'entends le chant des oiseaux, tu dis j'aimerais quand même bien les entendre, double clic dessus, hop, ça ajoute. Le son est un peu métallique, mais il n'y a pas de réduction de bruit, il n'y en a pas besoin, mais le mode ouvert, il est quasiment indispensable maintenant sur les écouteurs de nouvelle génération. Bon, pour finir de te convaincre, ils sont bien évidemment Bluetooth, d'accord? Ils sont aimants. Voilà, il y a des aimants ici. C'est rigolo, un aimant pour Under Armour. Sous amour. Ok, on passe à autre chose, voilà. Donc, ils sont quand même plutôt pas mal. J'ai marqué ça, ils sont IPX7. Alors, ils ne sont pas que IPX4, comme on a vu sur d'autres, ils sont IPX7. C'est quoi la différence?
bah tu peux transpirer un peu plus, hein, pas au-delà comme ça et tout, mais voilà, c'est quand même plutôt intéressant, encore une fois, voilà, les aimants, les IPX7, les Bluetooth, les tout ça, et l'autonomie. Ben oui, parce que l'autonomie à 9 heures, quoi, voilà. Alors, je sais pas si, parce qu'en fait, ils ont une forme un peu chelou, hein, vous voyez, ils ont quand même mis beaucoup plus, alors ça fait un peu soupe au chou quand tu mets dans les oreilles, il y a quand même plus de batterie que sur les autres, autonomie, 9 heures. Alors, encore une fois, c'est 9 heures, sans la réduction de bruit, le mode, enfin, il n'y a pas de réduction de bruit, sans le mode ambiant, tout ça, mais 9 heures d'autonomie, c'est quand même vachement bien. Encore une fois, alors la charge complète, il n'y a pas marqué, mais bon, là, en 2-3 heures, c'est torché l'histoire. Je les trouve plutôt intéressants, même si, bon, ok, d'accord, au niveau du design, ça fait un peu soupe au chou. T'as vu, oui, ça fait des petites excroissances comme ça et tout. Alors bon, c'est bon gré mal gré. Après, encore une fois, faudra bien parler du son. C'est le son de l'enfer. C'est un son JBL. On a des basses qui sont super bonnes. À la limite, c'est pas exactement le même son que Bose. Vous voyez, on peut pas vraiment comparer, comme quoi chaque fabricant fait un peu différent. Mais on a de super bonnes basses. Si tu joues un peu avec l'égaliseur, tu vas en prendre plein les oreilles, c'est le cas de le dire. On a un bon médium et on a un aigu qui monte assez haut, encore une fois, pas dans les très très hauts, titilitite comme ça, mais on a un son, encore une fois, pour faire du sport qui est à la limite du haute fidélité, ou de bonnes basses, un bon dynamisme, un médium qui tape large à la limite des aigus et tout. Moi, je trouve plutôt propre et très agréable. En même temps, c'est JBL sous amour. Bon, dans les points positifs, j'aurais mis la tenue, ils tiennent, mais extrêmement super bien. Avec leur double truc, là, c'est les meilleurs que j'ai pu tester, parce que là, on est vraiment en double. Oh, putain, quand on les met comme ça, j'entends plus rien, je m'entends plus parler, je vais les sortir un peu, là. C'est un peu ouf. Voilà, le son de ouf, vraiment, pour faire du sport, c'est vraiment parfait, t'aimes un peu la musique dynamique et tout, voilà, pour courir, faire du sport, ça motive vraiment vachement. La télécommande qui est super complète, encore une fois, on peut régler le volume, on peut régler la chanson d'après, la chanson d'avant et tout, tout ce qu'on espère un petit peu comme ça. Voilà, et en plus, voilà, le mode possibilité, mode réduction, hop, tu rentres chez la boulangère, hop, tu mets le mode, ça baisse la musique, ça met le mode aware, t'as pas besoin de les enlever, tu peux tenir une conversation en demandant deux baguettes, un pain au chocolat et... ou une chocolatine, tu me diras, voilà. Et ou alors tu peux directement mettre en mode ambiant, tu cours, t'as la musique, mais t'entends un peu ce qui se passe autour, c'est un peu plus sécure, voilà. Et enfin, on parlera bien évidemment du prix, mais ça on en parlera tout à l'heure. Dans les points négatifs, j'ai noté pas de réduction de bruit. C'est un point négatif sur le papier, parce qu'encore une fois, vous allez voir, si vous mettez le bon coussinet, que vous le mettez dans l'oreille, vous entendez plus rien, c'est vous mettez deux boules caisse. Donc là, ça peut être intéressant pour écouter de la musique en mode bulle, ça va être génial, ou si vraiment tu entends ce qui se passe. Et oui, il y a le mode transparent, double clic dessus, t'entends ce qui se passe autour. C'est trop bien, c'est trop bien. Et enfin, bon, dans les points négatifs, j'ai parlé du look. Je les trouve un petit peu, tu vois, ils sortent un petit peu de l'oreille comme ça et tout. Voilà, bon, après, c'est gênant, pas gênant, c'est les écouteurs. Ça va, encore une fois, c'est, tu peux dire, tes écouteurs, c'est des JBL, mon pote, sous amour, Under Armour. Ah, bah dans ce cas, ça pardonne. Bon, on parlera bien évidemment du prix. Alors, ces écouteurs ne sont plus disponibles sur Amazon France. Je mettrai quand même le lien dans la description. Alors, je sais pas si parce que moi, je suis depuis l'étranger ou s'il y a des problèmes de stock et tout. Je les ai trouvés quand même sur Amazon.com. Donc, pas la version Europe et tout. Mais enfin bon, ils peuvent vous les envoyer aussi. Le prix, 59 euros, quoi. Voilà, voilà, 59 euros. C'est tout, je ne peux rien dire de plus. 59 balles pour faire du sport. Je veux dire, c'est pas mes préférés. On en parlera peut-être. J'ai 5 à vous présenter. Hein, donc voilà, c'est pas mes préférés, mais il est vrai que rapport prix, ils défoncent tout. Voilà. Donc, par rapport aux Boss qui sont en promo à 99 euros ou à 150 balles et tout, vous voyez, ils sont quand même beaucoup plus évolués pour moi. Ils ont, sont vraiment sympas. Ils sont beaucoup plus adaptés au niveau du sport. Et je trouve qu'à moins de 60 balles, ça te fera pas un deuxième trou de revolver. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de ces écouteurs. Voilà. Je lis tous les commentaires. Je mets des petits cœurs d'amour. T'as une question? Ben, j'essaie d'y répondre. Et puis, tout ça. Voilà. T'as aimé la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? Pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé aimer la vidéo? Pouce en bas, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, je te donne rendez-vous dans quelques jours. J'ai 5 casques et j'ai été contacté par Lenovo qui veut également des casques par induction. Ils vont m'envoyer leurs 4 gammes qui partiront de 16 jusqu'à 20 euros, plus celui que j'ai, plus on est en deal avec Shox et tout. Moi, je serais toi, je m'abonnerais. Il va y avoir plein de petites reviews sympas. C'est tout. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts.